Alors bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur Crash Bandicoot 2. C'est un jeu d'enfance. J'y jouais toute ma jeunesse personnellement. Je sais pas pour vous. Mais allez, c'est parti. Évidemment je vais tout vous laisser. Laisser le début, l'intro. Elle était contente. Des cristaux. Bien sûr. Mince. Oui. Cortex, il va commencer son plan. Alors, je commence par Crash Bandicoot 2 parce que le 1, il est vraiment. Mais grand être, pour atteindre comment la dire optimale, il nous faudrait non seulement le cristal suprême, mais aussi bon, les je vais laisser parler. Intérieurs qui sont encore au sol. Et j'ose humblement rappeler à son éminence qu'elle a malheureusement mis à mort les quelques agents terriens qui nous restaient. Mais idiot, je sais parfaitement ce que je fais. En l'absence regrettable d'amis à la surface de la Terre, il nous reste à recruter un ennemi. Évidemment, l'ennemi, c'est Crash. 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 Ma batterie est cuite. Rends-toi un peu utile, frangin. Tu pourras aller m'en chercher une autre. Allez, c'est parti. Alors, c'est bizarre. Les touches sont déformées. Quoi. Les touches ne sont pas dans l'ordre. Ça me paraît vraiment bizarre. Alors, je disais, je ferai pas de vidéo sur Crash Bandicoot 1 parce que je le trouve trop lent. Enfin bon, j'ai vraiment pas envie quoi. Je préfère le 2. Ce sera déjà 10 fois mieux. Allez, normalement on va rencontrer Cortex une nouvelle fois ici. Quelle surprise et quel honneur! Mais c'est notre ami Crash! Bienvenue! Toutes mes excuses pour cette invitation précipitée, mais je soupçonne fort qu'une invitation plus formelle ait été refusée. J'ai besoin de toi. Tout autour de toi, il y a 5 portes. Derrière chaque porte se dissimule un cristal. Il ressemble à ça. Apporte-les-moi, Crash. Je t'expliquerai plus tard, quand on se reverra. D'accord, chef. Bon. Alors, je vais juste m'habituer aux touches, 2 secondes. Parce que la touche saut, c'est rond chez moi. La touche triangle, c'est ok. La touche tournée, c'est L1, c'est un peu bizarre. Donc, si je veux sauter, c'est comme ça, ok. Allez, c'est parti. On va commencer par le premier niveau. Et j'essaierai de régler ce problème de touche d'ici là. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je suis sur émulateur. Évidemment, la PlayStation 1, ça fait longtemps que je ne l'ai plus. Ah, avec ces touches, ça va être dur. Hop là. Alors je sais pas si vous avez déjà entendu parler du bug dans le niveau 2 quand on arrive dans la glace. En fait il y a un... Il suffit de sauter 200 fois sur une caisse. Et ensuite de... C'est une caisse qui n'explose pas. Hein. Et ensuite d'aller frapper des ennemis 50aine de fois. Et là en fait Crash il va... Quand on va finir le niveau, il va sortir 64 cristaux. Bon, par contre, le jeu sera totalement bugué quoi. Il va sortir 64 cristaux, 64 diamants. Enfin, c'est un bordel quoi. Bon, alors, moi j'ai pris pour habitude de tuer tous les ennemis. Enfin, pas forcément tous, hein, mais une bonne partie, on va dire. Alors, ici, je me souviens plus trop, mais. Ça, je crois que je peux le péter. Voilà.
Je crois qu'au niveau de la nitro, il me semble qu'il n'y a rien. Cette caisse-là, elle ne sert à rien. Alors là, faut pas se rater avec lui. Voilà. Là, de nouveau, faut pas se rater. Voilà. Comme ça, on a toutes les caisses. Bon, par contre, je sais pas pourquoi ça fait noir. Mais bon. J'essaierai de régler ça aussi par la suite. Je sais pas si vous pouvez voir, sur le côté, ça fait assez noir. Bizarre. Allez, on a fini pour le niveau bonus. Allez, on se barre de là. Avec ce bon vieux Aku Aku. Allez, checkpoint. Bon voilà, vous voyez, par exemple, je l'ai pas tué, hein, je m'en fiche complètement. Ah, c'était même pas un niveau bonus en fait. Bon bah, je sais plus ce que c'était. Super simple niveau bonus. C'est que le début. Bon, les pommes, je m'en fiche. Alors, encore un checkpoint. C'est bizarre parce que j'en ai eu un il y a 2 secondes. Allez, à coup, c'est parti. Ah, si je me rappelle bien, on pouvait esquiver. Eh, même pas, j'ai même pas réussi. Quel dommage. Ah, faut pas que je fasse le con là. Voilà. Voilà. Normalement, j'arrivais toujours à sortir avant. Mais bon. J'arrive plus. C'est bizarre. Peut-être plus sur le côté. Ouais, c'était comme ça. Je disais bien aussi que... Bon, ça fait un moment que j'ai pas joué après, hein, mais... J'arrive toujours. Allez, c'est un autre cristal. Hop, du coup on s'en fiche, on les passe. Si on peut esquiver des ennemis, tant mieux. Alors là, je suis plutôt content. On a un diamant et un cristal. Normalement, il va faire sa petite danse. Elle est mythique, mais bon. Bien joué, Crash. Je savais que je pouvais compter sur toi. Maintenant, écoute bien. Ces hologrammes sont plutôt instables. Pendant ma quête de sagesse et d'érudition, j'ai eu vent d'une puissance qui menace de détruire le monde. Les cristaux sont le seul moyen de la combattre. Le sort du monde est entre tes mains. Il faut donc absolument que tu me les apportes. Crash, es-tu là? Crash, je t'entends pas, Crash, mais t'es où? Crash, il est dans l'aventure. Allez, on va sauvegarder. Enregistrer une partie, ouais. Et puis on va s'appeler Soulseeker. Comme la chaîne en fait. Alors. On va juste mettre Souls. Sera plus simple. Faut pas s'embêter. Voilà. Nickel. Bon, alors je vais vous laisser là pour la première partie de Crash Bandicoot. Ce qu'on fera dans la deuxième partie, on fera ce niveau. Donc je vous expliquerai comment avoir les 200 cristaux. Bon, je le ferai pas. Mais il y a des tutos sur internet. Enfin, vous en trouverez plein sur YouTube. Et on fera 2-3 niveaux. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé. À la prochaine.